Baba Tiwa Sake. Parce qu'on a été là-bas, tout est fermé. Si vous voulez, vous pouvez même aller constater que tout est fermé, il n'y a personne. Le préfet de Sorké, il va transmettre à qui de droit ce que nous avons. Voilà. Nous, nos actions, c'est que nous avons dit que tant qu'on n'a pas la preuve de la suspension, ils ne vont pas travailler. Parce que soit ils n'ont qu'à venir nous dire pourquoi et puis avant de sanctionner. Parce que nous, on devait avoir le vrai problème avant que la sanction vienne. Donc, s'il n'y a pas la sanction, si nous n'avons pas la preuve, la sanction, pour nous, la population qui avons voté notre main, nous ne sommes pas d'accord. C'est comme ça. Nous avons dit que tant que la sanction n'est pas levée, ou bien on n'a pas la preuve, personne ne travaille à la mairie. Mais si, par exemple, ça mérite d'être à la délégation spéciale avec des raisons fondées, ça marche. Mais sans raison fondée ou sans preuve, nous, en tout cas, nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord. Parce que c'est nous avons voté. Et c'est nous la population. Nous attendons à ce qu'ils rendent compte de ce qui se passe. Parce que nous avons assisté à une session tout récemment, ça ne vaut même pas une semaine. Là où il y a presque plus de 56 conseillers qui étaient présents. Ils ont pu voter le budget. Mais la cause est due à quoi? Bon, ça, nous ne sommes pas au courant. Parce que ça veut dire que nous, nous avons dit l'essentiel. Nous sommes là pour essayer de dire que nous ne sommes pas d'accord avec la suspension. Si on s'attaque au Coria, nous ne sommes pas au courant. Parce que nous, ce que nous avons essayé de dire à M. le préfet, n'a pas ressorti l'acte qui se passe au niveau du Coria. Nous ne sommes pas au courant. Bon, un message comment? Parce que pour le moment, je peux dire que, par exemple, moi je suis là actuellement en train de faire l'interview. Donc, ceux qui essaient de faire. Ça fait notre quatrième fois de sortir. Non, nous avons une note. Nous allons l'amener après. C'est parce qu'on a été tellement choqués et que ça a été brusque. Parce que nous avons dit, si on avait reçu une note de ce que, par exemple, Madame le maire a fait, on n'allait même pas sortir. Quand la note venait, nous-mêmes, on allait sortir parce qu'on sait que c'est comme ça. Elle mérite sa sanction, c'est comme ça. Mais sans cette note, si, par exemple, notre ministère ou nos autorités sont capables de faire une note sans constater ou sans donner des preuves à la population, nous allons toujours les faire comprendre que nous ne sommes pas ce qu'ils pensent. Rien ne serait plus comme avant.